Salut tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, mais vous savez, moi j'ai toujours des explications et mes explications sont toujours valables. Et voilà, je ne sais pas, je dois vous dire que dans la vie, il faut avoir ses priorités et les respecter, surtout respecter ses priorités. Avoir les priorités, c'est une chose, les respecter, c'est une autre chose. Donc, comme je suis là, peut-être vous le savez pas, je travaille, j'étudie, je vis à du 1000 à l'heure et je dois tout simplement savoir ce que j'ai d'abord envie de faire. En fait, je dois faire en sorte de ne pas me fatiguer ou de ne pas perdre mon temps. En fait, je dois avoir un time management qui est vraiment limite parfait, quoi. Je n'y arrive pas toujours. Et YouTube, je ne veux pas dire que YouTube n'est pas du tout ma priorité, mais quand je regarde mon travail, quand je regarde mes études, YouTube, c'est plus, quand je filme, c'est plus un moment où c'est un moment où je déstresse, c'est un moment où j'oublie Pas tout. trop. C'est pas vraiment une vidéo où j'explique mon absence sur YouTube, c'est plus une vidéo où je réponds aux questions que l'on m'a posées depuis genre janvier, février. Et j'ai eu le temps pour filmer, je me suis dit c'est la première chose que je vais faire. Donc, bon, la première question est, à quoi ressemble une journée typique dans ta vie d'enseignante? Dans ma vie d'enseignante, une journée typique. J'ai 10 000 réveils. Je fais partie des gens qui ne sont pas du tout matinales. Je n'aime pas me réveiller tôt. Mais bon, vous savez, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Donc, j'ai mon premier réveil qui est à 5 h. Et puis, j'en ai un autre à 5 h 20. Et puis, j'ai un autre à 6 h 20. Là, je dois vraiment me réveiller si j'ai envie de me maquiller. Limite, même faire mes sourcils. Je dois me réveiller à 6 h 20. Sinon, si j'ai pas envie, c'est 6 h 30. 6 h 30, ça veut dire douche, vêtements et sortie. Donc, quand j'ai le temps, je me réveille à 6 h 20. Quand j'ai pas le temps, je me réveille. Ok. Quand j'ai envie, je me réveille à 6 h 20. Quand j'ai pas envie, je me réveille à 6 h 30. Ça dépend de la fatigue et tout ça. Et donc, voilà, je me lave, je m'habille. C'est rare que je prenne le petit-déj ici à la maison. Donc, la plupart du temps, je prends mon eau, je prends mes fruits, je mange une banane en cours de route. Et une fois arrivé à l'école, normalement, on prend le petit-déj ensemble. Donc, je prends le petit-déj avec mes collègues. J'arrive à l'école à 7 h, entre 7 h 40 et 7 h 50. Quand j'arrive en retard, c'est 8 h. Et les cours commencent à 8 h 20. Donc 8 h 20, je vais par exemple expliquer ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes mardi. La première chose que je fais, bon, bah, je rentre en classe avec mes élèves. Je leur demande un peu comment ça va. Moi, j'aime beaucoup parler avec mes élèves. Et vraiment, les parents, vous serez étonnés si vous saviez tout ce que vos enfants peuvent raconter à leur enseignante quand bien sûr, ils font confiance à l'enseignante. Mais on parle un peu, peut-être pendant 5 à 10 minutes. Les lundis, on prend beaucoup plus de temps parce qu'on a genre notre rassemblement et on parle un peu du week-end et on parle de comment on se sent, ainsi de suite. Mais le reste des jours de la semaine, c'est vraiment très vite fait. Aujourd'hui, les 2 premières heures, on avait français. On a vu les compléments circonstanciels. Donc pendant 2 heures, français. Après, on avait maths. Maths, on avait les grandeurs, on a vu les masses. Après ça, c'était Géo. Géo, on a vu les cours d'eau. Et puis, donc à 10 h, il y a une pause. Hein. Entre les 2 heures de français et maths et Géo, il y a une pause à 10 h. Et puis à midi, il y a une pause d'1 h. Et là encore, je vais manger avec mes collègues. On mange chaud à l'école. Ouais, aujourd'hui, on a mangé le foufou et le poulet. Donc, c'était super délicieux d'ailleurs. Après cette pause, moi, les mardis, j'ai 2 heures de libre. Donc, pendant ces 2 heures-là, je prends mon ordinateur. Je prends mes cours pour l'université et soit j'étudie, soit je fais mes devoirs à moi. Donc voilà, j'ai 2 heures pour checker tout ça. Aujourd'hui, j'avais tellement, enfin, j'ai un travail à rendre pour dans 10 jours, moins de 10 jours. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça. Après ces 2 heures-là, j'ai 1 heure de bibliothèque avec mes élèves. Donc on va à la bibliothèque, ils lisent en silence et puis ils choisissent des livres qu'ils vont prendre à la maison. Et puis à 15 h 30, ma journée au travail est finie. Deuxième question, comment sont tes élèves? Mes élèves sont adorables. J'ai une petite classe de 6 élèves, donc c'est la 4e primaire. Et j'aime trop mes élèves.
Ton plus grand regret, si tu devais retenir une chose, plus ta vision sur cette chose aujourd'hui. Je pense que mon plus grand regret est de ne pas avoir passé assez de temps avec moi-même. Oui. Donc je n'ai pas passé assez de temps à me connaître, à me construire. Voilà pourquoi en fait je suis sur YouTube, voilà pourquoi je publie beaucoup de trucs sur Instagram. C'est vraiment pour donner la chance à ceux qui sont plus jeunes que moi, voilà, d'être au courant de ces choses-là. Donc d'être au courant du fait qu'il faut déborder d'amour pour soi, du fait qu'il faut se construire d'abord soi-même avant de regarder. De construire une relation avec qui que ce soit. Toutes ces choses-là, j'aimerais vraiment que ça tombe dans les oreilles d'une jeune fille qui en a vraiment besoin pour éviter certaines erreurs. Donc voilà ce que je regrette. C'est ça, ma vision aujourd'hui sur ce sujet, c'est que voilà, il n'est jamais trop tard, mais mieux vaut. Sur ça, je pense pas que c'est mieux vaut tard que jamais. Je pense que avoir l'opportunité d'avoir des ressources, donc des vidéos sur YouTube ou des gens même qui sont capables de vous enseigner sur les valeurs de la vie, ce qu'il y a vraiment d'important dans la vie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une jeune fille ou un jeune garçon dans sa jeunesse. Donc je veux dire entre ses 16 et ses 20 ans. Voilà. Les leçons importantes que j'ai retenues de mes relations amoureuses précédentes. On ne roule pas à vélo quand on vient juste de se relever d'une chute des escaliers. Voilà, quand on vient juste de tomber des escaliers, faut pas aller rouler à vélo. Surtout quand on est blessé. Même si on ne voit pas la blessure directement. On s'assoit d'abord, on réalise, on se check, on regarde est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas avant d'aller rouler à vélo. Il n'y a pas d'autre manière pour le dire. Comprendra qui pourra. Qui veux-tu être plus tard? Qui veux-tu? Je veux vraiment être une personne qui est d'abord en paix avec soi-même et qui, de deux, est une personne qui est vraiment là pour les autres. Ça peut être un défaut, ça peut être difficile, mais vraiment le but, la raison pour laquelle Dieu m'a mis sur cette terre, c'est pour être la réponse à une prière. Donc pour, si par exemple, je sais pas moi, une famille qui prie, qui prie et qui demande à Dieu le pain quotidien, comme on le demande tous. Ce pain ne va pas tomber du ciel. Il faut des gens. Nous sommes les oreilles, les yeux, les mains, les pieds de notre Dieu sur cette terre. Donc moi, je veux vraiment l'être, mais dans l'extrême. Si aujourd'hui, Dieu me permet d'être béni, c'est pour bénir les autres, en fait. Et je demande toujours à Dieu de ne pas me bénir s'il sait que je vais utiliser cette bénédiction pour être orgueilleuse et pour abuser du pouvoir et pour abuser des autres, en fait. Voilà ce que je veux être. Pourquoi l'idée de me mettre sur YouTube? Comme je l'ai dit avant, ce que je partage sur YouTube, en fait, c'est ce que moi-même j'aurais voulu entendre étant plus jeune. Donc ce que je fais dans les Iringa Talks, les vidéos de voyage et tout ça, c'est juste une passion. Mais les conseils, c'est vraiment ce que moi j'aurais voulu entendre quand j'avais 16-17 ans. Ce sont des conseils que j'aimerais vraiment. Je sais pas, moi je suis trop là pour la jeune fille et on périt par manque de connaissances. Et vraiment, et encore une fois, il faut que ces jeunes filles cliquent sur des vidéos comme celles que je fais. C'est beaucoup plus facile d'aller cliquer sur, je sais pas moi, Khloé Kardashian s'est fait tromper, blablabla. Moi, je ne fais pas ça. Je n'aime pas trop parler des faits divers de ce genre. Je préfère en tout cas dire ce que j'ai à dire. S'il y a 1000 personnes qui regardent, c'est très bien. Mais s'il y a une personne qui regarde, au moins je sais que cette personne-là devait entendre ce que j'avais à dire ce jour-là. Donc voilà. Pourquoi j'écris autant? Qu'est-ce que ça libère ou qu'est-ce que ça produit en moi? J'aime écrire parce que je n'aime pas écrire pour lire tout de suite ce que j'écris. J'aime écrire parce que j'aime bien revenir sur mes notes et réaliser d'où je viens, où je suis. J'ai 4 journaux, si vous avez vu ça sur Instagram, 4 journaux. J'ai commencé à écrire depuis 2014. Et à chaque fois que je lis ce que j'ai écrit, je sais pas,
Ça, c'est la seule chose qui me permet de voir l'évolution. C'est vrai que ça libère. Ça libère quand j'ai la tête remplie de beaucoup de choses, j'écris. Et voilà, ça m'aide. Essayez ça. C'est vraiment une bonne chose. Ouf. Tes plus grandes peurs, que fais-tu? Que comptes-tu faire pour les combattre? Ma plus grande peur, une de mes plus grandes peurs était de perdre ma mère, ou est encore de perdre ma mère. Je ne sais pas ce que je serais sans elle. Et même parfois, quand j'y pense, je pleure. Qu'est-ce que je fais pour combattre cette peur? C'est d'accepter qu'on est tous passagers sur cette terre. Et qu'est-ce que je fais pour combattre cette peur? C'est, je fais en sorte de vraiment me retrouver avec elle dans l'éternité. Ce serait ma plus grande joie. Donc voilà, c'était vraiment des questions très très deep. Je ne m'attendais pas à ça. Je compte peut-être faire ça une autre fois. Dieu seul sait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit au début, s'il vous plaît, respectez vos priorités. Et des priorités, surtout, respectez vos priorités. À très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous.